Okay, so we're back again, another storytelling, and this book I really, really like because I found this also in our local library here in France, yes. Toulouse, to be exact. And, oh, I forgot to say who I am. I'm Rachel Helps. I'm HB. And this is Baby Moon. He's sleeping now. Taking a little baby nap. I know how that is. So I really like this book. You want to show them the book? The book is one from Dr. Catherine Dolto. She's specialist and in children's books. In children's book, okay. And she's psychologist. Psychologist. Okay. So she is a psychologist, and the title is "Des amis de toutes les couleurs." Okay, I love this title. And what does it mean? It means friends with different colors, all the colors. So what it basically means, des amis de toutes les couleurs, meaning people from, your friends from different cultures. So if you look at the cover of this book, you see, what do you see here? You don't see with that. You can't see? Yeah, okay, you can see. So you can actually see there are kids from different cultures. Notice how I didn't say race, because I believe there's only one race, and that's yes. The human race. And in the human race, you have different cultures. So you have kids from different cultures, different color skin. Mm-hmm. And one reason I really love this book, because we are a multicultural couple, and my background, I have a huge, as they say, mixité in my family, from Indian, African, Cherokee, etc., also white. And look at our baby Moon, like, he's a mixture of both of us. So this book really touched to my heart, and I've already read this to baby Moon when he was awake, and I really, really enjoyed this book. So, and I feel like this is a great book for all ages, kids and adults, to basically just go back over the basics. The story is really interesting. It's really, really interesting. And it's a great way to teach young kids about the different cultures. Yes. And once again, I love Dr. Catherine Dolto, the illustrations in this book. And it's very simple. The level is for A1 to A2 beginners. And you can, when you listen to HB read, you can actually start to understand the context and how grammar is used in these books. Mm-hmm. And the vocabulary is very, very, very easy. I will use the two versions, one in the slow version and one in normal speed. Okay. So that way you can, if you're having difficulties of understanding HB the way he normally speaks, his speech rate, it'll be a lot slower, so you can practice in between the two. Right. So the place you want to be is where? In the comment section, in our blog post, so you can add a lot of comments and tell us what you like, what you dislike, and help us to improve our work. So, thank you. Okay, so the link to the blog post will be down below in the description box. And please do, if you have any comments, any suggestions on how to make our storytelling videos better, we are open to your suggestions. And if you like this video, please do share and also give us a thumbs up, like, and subscribe to our video. So we will see you in the next storytelling video. Yes. And with Baby Boy. Baby Moon. Baby Moon, you want to say something? No, no, like, let me sleep. Okay. He's fully loaded. He's fully loaded? Okay. Okay. So, bye. Next time he'll speak French. Yes. In Goo Gaga language. Okay. Bye for now. Bye. Ciao. Docteur Catherine Dolto, des amis de toutes les couleurs. À l'école, il y a un nouveau. Il a la peau noire et des cheveux frisés. Il s'appelle Orion. Maintenant, dans notre classe, il y a des enfants de toutes les nationalités
et de toutes les couleurs de peau. Farida, ma meilleure amie, est toute cuivrée. Ingrid est rousse et claire avec des taches de son. Ricardo a la couleur du pain d'épices. Moi, je suis rose comme un bonbon. Chang, lui, a la peau dorée comme du miel et des yeux bridés. On a posé des questions à la maîtresse. Elle nous a montré tous les continents du globe terrestre. Ils sont différents, et les gens qui les habitent aussi. Heureusement, les gens voyagent, se rencontrent, et parfois s'aiment, et décident d'avoir des enfants. Ainsi, des personnes d'origine différente se mélangent. Quand nous arrivons au monde, nous avons une couleur bien à nous. Elle nous vient des cellules de vie de nos deux parents. Chaque parent a eu des grands-pères et des grands-mères, des arrière-arrière-grands-parents, toute une foule de gens qui sont dans notre lignage. Chacun laisse une petite trace dans les cellules de vie sur de minuscules bâtonnets qu'on appelle chromosomes. Chaque bâton est fait de milliards de petits morceaux qu'on appelle les gènes. Il y a des gènes pour la couleur, des yeux, la taille, la forme du nez, pour tout ce qui est de nous. Chaque humain est un mélange. Il a pris un peu de chacun chez tous ceux qui l'ont précédé sur Terre. La couleur de la peau et celle des yeux est une surprise que chaque bébé fait à sa famille. Quand un bébé naît, on entend « Il a le nez de grand-père Léon et la bouche de tante Ursule et tout à fait les pieds de son papa et les yeux de sa maman. » Toutes les couleurs de peau sont belles, le brun, le blanc, le noir, le jaune, le rose. Chacun peut être fier de sa couleur de peau. A. L'école. Il y a un nouveau. Il a la peau noire et des cheveux frisés. Il s'appelle Orion. Maintenant, dans notre classe, il y a des enfants de toutes les nationalités et de toutes les couleurs de peau. Farida, ma meilleure amie, est toute cuivrée. Ingrid est rousse et claire avec des taches de son. Ricardo a la couleur du pain d'épices. Moi, je suis rose comme un bonbon. Chang, lui, a la peau dorée comme du miel et les yeux bridés. On a posé des questions à la maîtresse. Elle nous a montré tous les continents du globe terrestre. Ils sont différents et les gens qui les habitent aussi. Heureusement, les gens voyagent, se rencontrent et parfois s'aiment et décident d'avoir des enfants.
Ainsi, des personnes d'origine différente se mélangent. Quand nous arrivons au monde, nous avons une couleur bien à nous. Elle nous vient des cellules de vie de nos deux parents. Chaque parent a eu des grands-pères et des grands-mères, des arrière-arrière-grands-parents, toute une foule de gens qui sont dans notre lignage. Chacun laisse une petite trace dans les cellules de vie sur de minuscules bâtonnets qu'on appelle chromosomes. Chaque bâton est fait de milliards de petits morceaux qu'on appelle les gènes. Il y a des gènes pour la couleur des yeux, la taille, la forme du nez, pour tout ce qui est nous. Chaque humain est un mélange. Il a pris un peu de chacun chez tous ceux qui l'ont précédé sur Terre. La couleur de la peau et celle des yeux est une surprise que chaque bébé fait à sa famille. Quand un bébé naît, on entend il a le nez de grand-père Léon et la bouche de tante Ursule et tout à fait les pieds de son papa et les yeux de sa maman. Toutes les couleurs de peau sont belles. Le brun, le blanc, le noir, le jaune, le rose. Chacun peut être fier de sa couleur de peau.